après dans Jurassic Park. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si on va ressortir. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser. Comme des nomades enflammés, et on cachait, j'ai retrouvé, à la recherche de liberté. Le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, j'ai au caché, j'ai retrouvé. Nous sommes enfin prêts à rêver, j'ai au caché, j'ai retrouvé. J'y retrouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête, vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver. J'ai au caché, j'ai au trouvé. Vous apportez de la gaieté. J'ai au caché, j'ai au trouvé. Allez, venez, venez, vous amusez. J'ai au caché. Ça ressemble pas trop à une autruche. Pourquoi on a mis un dinosaure ici? C'est les ancêtres de tous les oiseaux. Hein. Alors, on va remonter dans le temps, hein. On va aller très loin, vous allez voir, c'est quand on était tout petit. L'apparition des dinosaures remonte sur notre planète il y a 240 millions d'années. Ça ne rajeunit pas. Et l'apparition de nos oiseaux ratites, puisque les autruches font partie d'une famille d'oiseaux bien spécifique, hein, qui s'appelle les ratites, remonte à 160 millions d'années. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, ils ont vécu ensemble. Ils ont été contemporains pendant une très très longue période. Les ratites ainsi que les dinosaures. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Les dinosaures sont plus là. Les dinosaures, bah oui, ils ont disparu. À ce qui paraît, sur une île, ils en ont refait, mais bon, on est certain de rien. Il y a combien de temps ils ont disparu, les dinosaures? 60 millions d'années, justement. 65 millions d'années. La fameuse météorite dans le golfe du Yucatan, au Mexique, hein, qui a exterminé les dinosaures. Mais vous le savez aussi que lors de l'extinction des dinosaures, tous les animaux, toutes les espèces n'ont pas été exterminées sur notre planète, heureusement, sinon on n'aurait plus aucun animal. Il n'y en a que 70% en moyenne. Et bien nos oiseaux ratites font partie des espèces qui ont survécu à l'extinction des dinosaures, puisqu'à l'époque ils volaient. Alors une fois les dinosaures disparus, beaucoup d'espèces ont repris possession de la planète, hein, ceci sur des millions d'années d'évolution, évidemment, hein, les mammifères principalement, les insectes, les poissons, ainsi que les oiseaux. Mais nos oiseaux ratites, ils ont rencontré un problème. C'est que sur des millions d'années d'évolution, suite à l'extinction des dinosaures, ils sont devenus des oiseaux tellement grands, surtout tellement lourds, puisqu'à l'époque, ils mesuraient plus de 6 mètres de haut. Donc, arrivé un moment, à cause de leur poids, ils ne pouvaient plus voler. Donc, ils n'ont pas eu le choix. Ils sont devenus des oiseaux coureurs. Et sur des millions d'années d'évolution, puisqu'ils ne volaient plus, eh bien, leur squelette a fini par se modifier. Ils ont perdu l'os qui sert à tous les oiseaux de voler, que vous connaissez évidemment. Celui avec lequel on tire... Oui, ça s'appelle le bréchet. L'os du poulet en V, on fait un V souvent avec. Donc c'est ce petit os-là, si vous ne le savez pas, qui sert à tous les oiseaux de voler, puisque les muscles des ailes y sont rattachés. Donc les oiseaux ratites n'ont pas de bréchet. C'est ce qui forme cette famille d'oiseaux coureurs bien spécifique, sachant qu'il n'en reste plus que 5 espèces sur Terre. Hein, toutes les autres, elles ont disparu malheureusement. Et l'espèce la plus grande et la plus connue, c'est... L'autruche. Ben oui, c'est l'autruche. On va aller la voir de plus près, cette autruche. Elle nous attend. Alors je suppose que vous savez sur quel continent elles vivent, les autruches, aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Afrique. Non, parce que... je vais vous expliquer pourquoi. Je pose toujours la question, parce que dans l'imaginaire collectif, et je ne sais pas si j'aurai la réponse un jour, tout le monde me met les autruches en Australie. Hein? Ah oui, c'est phénoménal. Hein. Il y a 90% qui me donnent les autruches en Australie. Il n'y a pas d'autruches en Australie. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas d'autruches en Australie. C'est effectivement l'Afrique, et aujourd'hui principalement l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud. Mais si on remonte à leurs origines, c'est-à-dire... L'origine de nos oiseaux ratites, il y a 160 millions d'années, l'origine, ce n'est pas l'Afrique du tout, hein, c'est l'Europe de l'Est. Ensuite, elles ont migré avec l'évolution dans l'hémisphère sud de notre planète,
sachant qu'à l'époque, elles n'avaient pas besoin de GPS pour trouver la route, puisqu'il n'y avait qu'un seul continent. Ensuite, elles ont subi la dérive des continents. Lorsque la Pangée et ensuite le Gondwana se sont séparés pour former les continents qu'on a aujourd'hui, depuis, elles sont restées en Afrique, ont évolué évidemment, elles sont devenues des autruches. Donc les autruches, déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'elles n'ont pas d'odorat. Puisqu'elles sont herbivores, c'est un sens dont elles n'ont pas besoin. Et je vais en profiter pendant qu'elle s'est éloignée, parce qu'à chaque fois que je dis ça devant elles, elles sont vexées. L'autruche est le seul animal sur Terre dont l'œil pèse plus lourd que le cerveau. Elles ont un tout petit cerveau qui ne pèse qu'entre 30 à 40 grammes. Elle vient en découdre. Hein. Alors elle va venir maintenant. Regardez, je vais lui attraper son bec. Regardez bien ses yeux. Vous voyez, ils deviennent tout blancs. Parce que nous, on cligne des yeux comme ça, mais les autres, paupières rétractiles. C'est une membrane horizontale qu'elles ont pour se protéger les yeux de la poussière et du sable dans leur milieu naturel. En fait, c'est un peu une paupière rétractile comme les chats, quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais. Alors, quand elles ferment les yeux avec leur paupière, c'est la paupière du bas qui se ferme vers celle du haut. Donc, c'est paupière rétractile plus paupière, d'accord, les deux, comme les chats, en fait. Eh bien, dans la savane africaine, une autruche adulte, alors par contre, j'insiste bien sur le mot adulte, alors c'est quoi une autruche adulte? 4 ans pour un mâle, pardon, et 3 ans pour une femelle. C'est tout simplement la maturité sexuelle. Une autruche adulte, dans la savane africaine, elle n'a aucun prédateur. Puisque ça peut éventrer un lion d'un coup de patte, une autruche. Alors pour vous donner une idée, un coup de patte d'autruche, c'est 400 kg de pression centimètre carré. Je vous ai dit qu'elles ont un tout petit cerveau, on ne va pas insister. Parce qu'elle arrive. Oui, justement. Elle a entendu. Comment? Mais en contrepartie, elles ont un cœur qui est énorme. Donc une pompe qui est très très performante, une faculté d'endurance qui est exceptionnelle, qui est propre à l'autruche évidemment, puisque ça peut courir à 70 km/h pendant un quart d'heure sans s'arrêter. Donc aucun félin, évidemment, ne peut courir si longtemps. Je vous ai dit qu'elles n'avaient pas d'odorat, mais en contrepartie, Louis, elle a vu. Une autruche peut vous voir arriver jusqu'à 5 km. En plus, elles sont hautes, alors. La savane africaine, c'est plat, et c'est ce que je dis toujours. Pourquoi est-ce qu'elles ont un grand cou, hein? Ça leur permet de voir les prédateurs pas pour mettre sous très, terre. Très loin. Et elles peuvent entendre à 15 km. Donc le guépard, lui, il essaie de s'approcher au plus près de sa proie, puisqu'il sait très bien qu'il ne peut pas courir longtemps, mais dans la mesure où elle le voit, où elle l'entend arriver, elles se mettent à courir, et c'est fini. Alors sauf, évidemment, si elles sont en train de couver ou si elles ont des petits. Là, elles ne fuient pas, hein. Elles attaquent, hein. Elles protègent. Ah, voilà. Et en général, ça se finit très mal pour le guépard. Hein. Donc grâce à toutes ces adaptations-là, une fois adultes, elles peuvent survivre dans la savane africaine. Je réinsiste bien sur le mot adulte, hein. Parce qu'il est évident que lorsqu'elles sont petites ou plus jeunes, elles se font attraper, et là c'est un massacre. Hein. Il faut savoir que sur 10 autruches qui naissent dans la savane, il n'y en a qu'en moyenne que 2 qui arrivent à maturité. Hein. Il y a énormément de pertes. Mais elles le savent très bien, elles ont résolu le problème. Hein. Chez nous, les autruches se reproduisent d'avril à fin septembre, période pendant laquelle chaque femelle va pondre en moyenne entre 50 à 80 œufs. Un œuf tous les 2 jours, ça pond énormément une autruche. C'est pour ça qu'elle pond énormément. C'est la loi du nombre qui compte. Plus elles pondent, plus elles ont de chances d'avoir de la descendance, tout simplement. Les autruches, elles ont un gène de croissance qui est très très prononcé. Ça veut dire que ça grandit hyper vite. Et c'est normal, plus vite je grandis, plus vite je peux fuir par rapport aux prédateurs. Lorsqu'elles naissent ici, elles grandissent d'un centimètre par jour. C'est-à-dire 30 cm par mois en moyenne. Ce qui fait qu'elles atteignent une taille adulte très rapidement. Celles-ci, elles ont un peu plus d'un an, donc c'est encore des bébés. Alors ce sont 2 femelles. Donc non seulement elles ne sont pas matures sexuellement, en plus ce sont des femelles, donc elles ne sont pas agressives du tout. Pourquoi est-ce qu'elles font ça? Pourquoi ça fait toujours ça une autruche? Ça cherche toujours à nous attraper avec son bec. Un peu rouge quand même. Hein, pourquoi ça fait tu veux sucer ton pouce? Je vous rappelle que c'est pas une attaque, hein, l'attaque ça vient toujours d'en bas. Ça les amuse en tout cas. La réponse, vous l'avez. Maman, attention, ta tête. Oui, non mais elles n'ont pas d'odorat. Un chat ou un chien, lorsqu'on lui tend de la nourriture, qu'est-ce qu'il fait avant de la manger? Ils sont. Ben oui, elles ne peuvent pas, donc elles essayent de goûter pour voir si ça se mange, tout simplement. C'est plus de la curiosité qu'autre chose, mais c'est pas de l'agressivité. Hein. Ah, elle forme une boule sous sa boule, sous son bec. Et vous allez voir, après c'est l'estomac qui l'aspire. Vous allez voir la boule, elle est en train de se former, vous la voyez, elle va descendre toute seule. Voilà, c'est parti. Donc même si elles ont la tête en bas. Jamais. Mais non. C'est l'estomac qui l'aspire.
Ah oui, même si elles ont la tête en bas, ça va monter, évidemment. Voilà, on voit bien, oui. Ça rentre dans l'estomac. Et comme les poules, elles ont avec des petits graviers pour broyer, etc. Un gésier d'autruche est composé de deux parties, ventricule, proventricule. Il y a une partie, comme vous le dites, avec les cailloux, comme les poules, comme le gésier. Et après, il y a une partie avec de l'acide. Ah d'accord. C'est pour ça que ça vale n'importe quoi, une autruche. Et du coup, les crottes, c'est pas du tout pareil que les poules. C'est assez marrant, on dirait presque du mouton ou... Oui, un peu, oui, c'est ça. Il faut savoir que les ratites n'ont qu'un seul orifice. Elles sont sexuées intérieurement. Ça veut dire qu'un mâle autruche, d'ailleurs on l'a vu tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas fait attention, s'il doit faire un besoin, il va être obligé de sortir son appareil génital à l'extérieur, faire son besoin, parce qu'ils font les deux en même temps, hein, ça va plus vite. Hein, et après, il remet le... C'est pour se protéger les appareils génitaux, bah pareil, hein, des sables et de la poussière hein, dans leur milieu naturel. Salut à tous. Comme vous pouvez voir derrière moi, nous avons des autruches. Alors ceux-ci sont des bébés autruches. Ils sont juste là, ils veulent essayer de me picorer, tout à l'heure ils m'ont picoré. Enfin, je vous montrerai un peu les images. Regardez comme elles sont mignonnes. Vous avez vu? Regardez. Hop. Alors ça fait pas mal, hein. Ça pince légèrement, mais c'est pas douloureux. Hein. Voilà. Et puis là, c'est des petites femelles, donc on ne craint pas grand chose. Quoi. C'est... Par contre, le mâle, je ne m'amuserai pas à faire ça. Hein. Le mâle, j'ai peut-être des doigts en moins si je fais ça. Hein. Moi, je n'y approcherai pas mon nez quand même, hein, parce que ça pince. Hein. Mais elles sont vraiment mignonnes. Hein. Donc je vais vous dire quelques petites choses sur les autruches. Vous les voyez bien, il y en a une là. Les autruches viennent d'Afrique et en captivité, elles peuvent vivre jusqu'à 80 ans. Hors captivité, c'est plutôt dans les alentours des 40 ans. C'est pas beaucoup. Bien sûr, elles ont beaucoup plus de chances en captivité parce qu'elles sont nourries assez souvent et puis elles ont beaucoup moins de prédateurs. Alors quelques petits chiffres. Ces petites bébêtes là, qui sont des bébés pour l'instant, peuvent, à leur vitesse de pointe, la maximale, elles peuvent courir à 100 km/h. C'est une fois et demi moins qu'une lionne. Donc forcément, leurs prédateurs ont plus de mal à les courser parce qu'elles peuvent courir 15 minutes à 100 km/h. C'est énorme. À côté de ça, Usain Bolt, l'autre humain qui court le mieux, c'est 37 km/h. 37 km/h, c'est juste un tiers de la vitesse de ces petites bébêtes. Mais vous fouillez pas quand même à leur tête hein, de gros poulet. Hein, regardez, hein, qui a l'air inoffensif. Hein. Ces petites bébêtes, elles peuvent éventrer un lion. Enfin, surtout une lionne, parce que c'est surtout les lionnes qui essayent de les chasser. Donc, ces petites bébêtes là, avec leur griffe qui est juste derrière là, elles peuvent éventrer un lion. Alors nous, hein, si on vient chez elles, hein, on fait pas long feu. Hein. Enfin, c'est surtout les mâles du coup qui peuvent être agressifs par rapport aux femelles. Mais bon, faut pas s'y fier. Là, après, ces petites bébêtes, regardez, elles sont toutes gentilles. Elles veulent juste essayer de me picorer. Regardez, regardez, voilà, elles picorent comme ça, mais elles font pas mal. Là, c'est des bébés encore. Hein. À part qu'elles ont le bec sale, c'est pas méchant, méchant. Voilà. Donc elles sont assez curieuses les autruches, hein, comme vous pouvez voir. Dès qu'elles nous voient approcher, hein, tout de suite, hop, elles sont là au cas où. Alors la taille des mâles autruches, hein, quand ils sont déployés, quand ils sont prêts à l'attaque, les pattes en avant prêts à attaquer, peut mesurer jusqu'à 2,80 m. 2,80 m, c'est énorme. Quand on voit l'homme le plus haut du monde, qui est à peu près de 2,50 m, c'est un Turc, je crois. 2,80 m, c'est vraiment, quand vous avez ça en face de vous qui vous attaque, je pense que ça ne sert à rien de rester en face d'eux. Hein. Quoique ça sert à rien de courir non plus, parce que quand on voit qu'elle court à 100 km/h au maximum, je pense qu'on ne fait pas un pli de toute façon. Et bien sûr, pour continuer côté chiffres, ces petites bébêtes là, bon, pas celles-là bien sûr, parce que c'est des jeunes, hein, elles ne sont pas encore à maturité, elles ne sont pas sexuées encore. Un mâle autruche peut peser jusqu'à 150 kg. 150 kg, où d'ailleurs tout est récupérable dedans. De la patte au bec, on va dire. Hein. Il n'y a rien de se perdre dans l'autruche. Et leurs œufs, parlons-en de leurs œufs. Leurs œufs peuvent, et elles reviennent, hein. Regardez-les, elles arrivent. Leurs œufs peuvent peser jusqu'à 2,3 kg. 2,3 kg, c'est énorme. C'est près de 30 œufs de poule. Vous imaginez l'omelette? Hein? Petit œuf de poule, gros œuf d'autruche. J'essaierai de vous montrer la comparaison entre les deux, je mettrai une petite vidéo là-dessus. Alors les autruches sont les seuls oiseaux qui possèdent deux doigts. Deux doigts dont un qui est avec une grosse griffe, donc celle qui peut vous égorger ou vous éventrer, hein, bien sûr. Donc le bec n'est pas dangereux, hein, c'est vraiment la griffe qui est dangereuse. Et elles sont créées, hein, pour la course. Elles savent pas voler, elles savent courir, elles savent faire des bonds. Quand elles courent à 100 km/h, elles font des bonds de 4 mètres de longueur. Les enjambées 4 mètres, imaginez la grandeur. À pieds joints, elles peuvent sauter en longueur de 4 mètres et de près de 1,50 m en hauteur. C'est énorme. Alors la petite particularité de l'autruche,
Hein, mais disons que c'est la garde alternée. Le mâle est plutôt à couver les œufs la nuit, parce qu'il a son pelage noir qui empêche qu'on le voit la nuit, alors que la femelle plutôt grise couve la journée, parce que son pelage gris, du coup, est dans les herbes hautes, passe plus inaperçu. Voilà. Je pense que je vous ai dit pas mal de choses sur l'autruche. Je ne vais pas vous en dire plus, je ne suis pas un documentaliste. Vous avez plein de reportages là-dessus. Je pense que je vous ai appris pas mal de choses, j'espère, sur l'autruche et qu'elle vous plaise, cette petite bébête-là. Et je vais vous passer à un animal un peu plus petit. Donc en Afrique, les oiseaux pratiques sont devenus des autruches. Et en Australie, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Des kangourous. Ah, des kangourous en plume, j'en ai encore jamais vu. Je ne dirai rien. C'est peut-être encore une nouvelle espèce, je ne sais pas. Et non, ils sont devenus des émeus. Alors nous allons passer de l'autre côté, on va aller voir les émeus, évidemment. Ah ben les voilà. Voilà les émeus. Alors évidemment, comme vous le constatez, hein, c'est beaucoup plus petit qu'une autruche, hein, mais il ne faut pas se fier à la taille. Hein, parce que ça peut être aussi dangereux qu'une autruche. Hein. Alors il y a une chose que l'on voit tout de suite chez les meufs. Nous avons vu que chez les autruches, le mâle était noir et que les femelles étaient tout le monde. Ben, les émeus, lorsqu'on les regarde tous, on s'aperçoit qu'ils ont tous le même plumage. Oh, le grognon, j'aime bien. Donc on ne peut pas reconnaître le mâle de la femelle. Mais justement, l'astuce pour les reconnaître, vous venez de l'entendre, c'est qu'il faut les écouter. Oui, enfin, ce sont pas bon, un bruit rock. Ce sont des animaux qui n'ont pas de corde vocale, donc évidemment qui ne peuvent pas crier, mais qui se manifestent avec leur sternum par des bruits de caisses de résonance. Alors le mâle, il grogne, bah, comme un cochon, exactement pareil, et la femelle, elle tambourine. Elle fait un bruit de tam-tam, de tambour, c'est ce qu'on vient d'entendre. Donc c'était la femelle. Bien entendu. Exactement. C'est impressionnant. Ah, oui. Puis là, je vous dis, ils sont ralentis. Hein. Alors là-bas, en Australie, dans leur milieu naturel, les émeus ne se reproduisent qu'en plein été, quand les journées sont les plus longues, il fait le plus chaud. Hein. Et vous savez comme moi que lorsque c'est l'été en Australie, chez nous, c'est l'hiver, puisqu'on est aux antipodes. Hein. Les émeus se reproduisent donc chez nous en plein hiver. Ils ont gardé le rythme biologique qu'ils ont dans leur gène depuis des millions d'années. Lorsque ça se déclenche en Australie, ça se déclenche en même temps chez nous, sauf que ça correspond au mois de novembre. Alors, même si c'est en plein hiver, ça ne les empêche pas du tout de se reproduire. Hein. Ils se sont adaptés sans problème. Hein. Donc chez nous, ils se reproduisent de novembre à début mars, période pendant laquelle chaque femelle va pondre en moyenne une bonne trentaine d'œufs, à raison d'un œuf tous les 3 jours. Alors vous avez remarqué la couleur du cou, jamais, quelle couleur le haut du cou? Il est bleu, hein? Donc la femelle nous pond des œufs verts. Ça marche toujours. Dans leur milieu naturel, les émeus n'ont aucun prédateur. Mais les œufs ont des prédateurs. Surtout là-bas en Australie, hein? Les serpents, toutes ces bestioles qui se promènent. Alors la femelle, elle pond des œufs verts, tout simplement, elle les pond dans l'herbe pour les dissimuler, pour les cacher, pour que les prédateurs ne viennent pas l'envoler leurs œufs. Et même moi, des moments, je les trouve même pas. Alors, non, mais c'est vrai, en plus, je dis, hein, c'est les vrais œufs de Pâques, quoi. Des fois, on les retrouve l'une année sur l'autre. Ah, non, mais c'est des rois du camouflage. Il est évident qu'en captivité, on agit totalement différemment, puisqu'ils n'ont pas, évidemment, le même espace. Si le mâle se met à couver, alors nous, c'est très rare, on les laisse jamais couver. Hein. Ici, on est un site de reproduction. Hein, on travaille avec beaucoup de parcs animaliers, beaucoup de zoos en France, d'autres éleveurs pour qui on fait la reproduction. Donc, en général, ça part dans les incubateurs, hein, dans les couveuses. Ça nous permet de réguler les naissances. Hein. Mais ça peut arriver, comme je le disais tout à l'heure, accidentellement, ils cachent tellement bien les œufs, parfois, je retrouve le mâle en train de couver les œufs, alors que les avait cherchés partout. Alors, si le mâle se met à couver, dès que les petits arrivent, il faut retirer la femelle. Sinon, elle risque de tuer tous les petits. Ben pour elle, ce sont des intrus. Elle ne les connaît pas. Elle a juste pondu les œufs. Tout ça pour dire que chez les meufs, ben c'est l'inverse complètement par rapport à l'autruche. Ce sont les mâles qui sont très sociables en général, mais les femelles, alors là. Pas du tout. Alors là, d'une agressivité terrible, ce sont elles qui gardent et qui protègent le territoire. Vous voyez, d'une espèce à l'autre, hein, c'est totalement différent. Ça, c'est dû à leurs différentes évolutions, évidemment. Alors, on va essayer d'aller les voir de plus près. Alors là, on va pouvoir regarder les pattes. Hein, on voit bien la différence par rapport à l'autruche. Hein. L'émeu est doté de 3 doigts et 3 griffes. Hein. Et je peux vous garantir que ce sont des lames de rasoir qu'ils ont au bout des pattes. Hein. Alors, on remarque une chose aussi, là, on le voit bien. Contrairement à l'autruche qui a de très grandes ailes, les émeus
Se sont débarrassés entièrement de leurs ailes. Vous voyez, il leur reste des petits points, des petits moignons, là, qui pendouillent là, à l'avant des pattes. Eux se sont dit, hein, bah, avec l'évolution, de toute manière, puisqu'on ne peut plus voler, puisqu'on n'en a pas l'utilité, eh bien, on se débarrasse des ailes, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas besoin. Alors là, vous les voyez très paisibles, hein. Enfin, ça se voit, ils ne sont pas stressés. Hein. Ce sont des animaux, au même titre que les autruches évidemment, qui sont très territoriaux. Ça veut dire que là, je pourrais même ouvrir les barrières, ils ne vont pas sortir, ils vont rester chez eux, c'est leur territoire. Par contre, si on rentre dans leur territoire, eux, ils prennent ça pour une menace. Donc là, le comportement peut changer très rapidement. Un émeu peut faire un bond de plus de 2 mètres sur place sans élan. Ça veut dire que si vous voulez sauter le grillage, je peux vous garantir qu'il y en aurait pour 2 secondes. Mais rassurez-vous, j'ai dit de ne pas le faire. Hein. On est tranquille. Non, non, ce sont des vraies piles électriques, les émeus. Ça peut être très, ça peut tuer un homme. C'est d'une force redoutable. Même si ça en a pas fait. Ah. C'est marrant, c'est... Ouais, c'est vrai, il y a un dinosaure. Ben, je vais pas souvenir non plus, mais enfin bon. je vais vous donner la réponse, mais parce que vous m'avez pas posé la question. En hiver, ils gèlent ici. Qu'est-ce qu'ils prennent en hiver? Ben, les œufs, ils gèlent. Logiquement, s'ils restent sous leur ventre, ils ne gèlent pas sur la température. Oui, le mâle se met qu'à couver qu'une fois qu'il a une dizaine d'œufs sur le, dans le nid. Donc, ils sont justement, ils ont, vous allez voir, la nature est bien faite. Une fois qu'il y a plusieurs œufs dans le nid, si les températures baissent vraiment de trop et que le mâle juge que les œufs risquent d'être impactés par le gel, il va commencer par cueillir de l'herbe, des branchages, enfin tout ce qu'il peut. Il va recouvrir les œufs pour les mettre hors gel. Mais si vraiment il juge qu'il fait vraiment trop froid, ce qui peut arriver, ce qui arrive de moins en moins, mais bon. Eh bien, dans ce cas-là, il va se coucher sur le nid, il va baisser sa température de manière à ne pas enclencher le processus de couvaison, et il va attendre comme ça sur le nid. Et une fois qu'il va juger qu'il y a suffisamment d'œufs sur le nid, il va remonter sa température à 36,2 pour enclencher le processus de couvaison. Vous voyez ? Parce que ce sont des animaux qui ont une température corporelle de 41 degrés. Donc vous voyez, hein, il se sert de sa température pour mettre les œufs hors gel, pour commencer l'incubation de tous les œufs en même temps. Alors un émeu, ça pèse en moyenne 50 kg, et la position d'attaque de ces oiseaux-là, puisqu'ils jettent les pattes en avant, eh bien, c'est de se redresser le corps presque à la verticale sur les pattes, de manière à pouvoir jeter les pattes en avant. Donc ça mesure un peu plus d'un mètre 80. Hein. Je pensais que c'était sa position d'attaque là. Ah non, pas trop là. Et ce sont des oiseaux coureurs, puisque ça court à 55 km/h et sur de très longues distances. Alors une dernière spécificité de l'émeu, qui n'est pas la moindre, hein, surtout aujourd'hui, on a rarement l'occasion de parler comme ça, c'est la seule et unique espèce de ratite qui n'est pas menacée dans son milieu naturel. Ils ont la chance de vivre dans l'outback australien, c'est le désert. Hein. Vous savez comme moi que l'Australie, c'est immense. Ce sont des régions qui ne sont pas peuplées, voire très peu, puisqu'il fait très chaud, évidemment. Donc ils ont suffisamment de territoire pour se reproduire. Donc ce n'est pas une espèce menacée. Hein. Alors je vous ai dit tout à l'heure que l'autruche, c'était le Struthio camelus. Vous vous en rappeliez, hein, je suis sûr. L'émeu, c'est le Dromaeus novae hollandiae. Parce qu'il n'a qu'une seule bosse. On peut dire ça comme ça. Donc ça, c'est l'émeu d'Australie. Nous sommes vers l'émeu, qui va sûrement passer derrière moi tout à l'heure, s'il n'est pas déjà passé. L'émeu vient d'Australie. Et il a une grande particularité, on dit grand corps, petites ailes. Parce que des ailes, il n'en a plus. Hein. D'ailleurs, dans les ratites, il n'y a plus aucun ratite qui vole. Il n'a plus que des petites ailes. Ces petites ailes font environ 20 cm. C'est la grandeur d'une main humaine à peu près. Donc c'est vraiment rien du tout. Elles ne lui servent plus du tout à rien. Alors que les autruches les gardent pour faire plutôt leur cours, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et l'émeu vit à peu près une quarantaine d'années en captivité, plutôt 20 ans dans l'espace naturel. Sa taille est d'environ 1,80 m pour un poids de 50 kg environ. Alors je ne sais pas s'il y en a un autre qui passera derrière moi, mais je vais vous donner quelques autres petites particularités. Bah si, ils sont juste derrière moi. Je vais vous donner quelques autres petites particularités sur l'émeu. Alors chez l'émeu, c'est le mâle qui couve les œufs. Et oui, mesdames, voilà un bon mari. Je vais venir voir quoi? Je ne déranges pas. Mais t'as le bec tout sale. Ça, c'est une petite femelle. Allez, je vais mettre juste là. Je vais peut-être essayer de me béquer. Hop. Ben reste là, hein, n'aie pas peur. Elle est un petit peu timide, Madame Émeu. Madame Émeu, venez ici.
C'est peut-être parce que je vais parler un peu de leur particularité de Madame Émeu qui fuit. Et juste derrière, vous voyez l'émeu que j'ai derrière, le mâle hein, qui fait des poum-poum. Il dit qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je vais te parler de toi en bien d'ailleurs. Mesdames, une fois n'est pas coutume, c'est vraiment un mâle comme ça. Hein. Vous aimeriez en avoir pas mal, je pense, des comme ça. Parce que d'une, c'est lui qui va couver les œufs pendant 56 jours. Et pendant 56 jours, il va ni manger, ni boire, ni même, je sais pas si vous voyez, mais bah, les petits besoins primaires, on va dire. Hein. Aussi bien, moi, dans mon camping-car, dans Vagabond, eh ben, j'ai des WC attitrés. Lui, dans son lit, il n'en a pas. Voilà, donc il ne fait pas caca. Il ne fait pas caca pendant 56 jours. Au bout de 56 jours, il a perdu un tiers de son poids. Énorme, quoi. C'est marrant, quoi, là. Un tiers de son poids, c'est énorme. Et il protège coûte que coûte ses petits. Hein. Alors là, la femelle, en attendant, elle se barre, elle. Elle se dit, on ne sait jamais, dans la nature, les petits vont peut-être pas éclore, donc je vais peut-être aller voir un autre mec, histoire d'avoir d'autres solutions, au cas où, un plan B, comme on dit. Hein. Et lui, pendant 56 jours, il reste dessus. À l'éclosion des petits, toujours, hein, bec et ongles, il protège ses petits. Même contre sa petite femelle. Hein. Sa petite femelle, si elle vient, elle pourrait les bouffer, les petits, hein, elle les tuerait direct. Hein. Donc il protège. Il protège le nid vraiment coûte que coûte. Que fait la femelle pendant ce temps-là? Oui, que fait-elle? Ça fait quand même 8 mois. Va faire du shopping. C'est ce que j'allais cure. C'est ce que je dis toujours. Chez le coiffeur. Non, elles prennent le camping-car et partent en vacances. Voilà. Il faut savoir que le mâle, il s'isole. Il s'isole vraiment pour s'occuper, couver ses petits. Il ne veut surtout pas rester avec sa femelle. Hein, il se sépare complètement. Et vous allez voir qu'il y a une raison. Ce sont des animaux qui grandissent très vite, parce qu'entre 9 et 12 mois, ils atteignent la taille adulte. Donc le papa émeu, il éduque ses petits pendant 6 mois en moyenne, sachant qu'à 6 mois, bah, ils ont une taille suffisamment grande pour prendre leur indépendance. Voilà, donc ils quittent leur père. Hein. Il se retrouve tout seul, le pauvre papa émeu. Hein, qu'est-ce qu'il fait, d'après vous? Il recherche sa femme. Exactement. Il recherche et retrouve sa femelle pour la saison de reproduction suivante, et ainsi de suite, comme ça, tous les ans. Il récupère ses kilos, j'espère, parce que après, il se refait sa réserve de graisse pour la saison. Ah oui, il vit sur sa réserve de graisse, c'est pour ça qu'il perd un tiers de son poids. Incroyable. Il est tout svelte, il place sa femelle. Alors, en c'est bien pour les régimes, finalement. Bah, c'est un régime émeu, ça s'appelle. Voilà, régime émeu. Et vous allez voir, on va les voir de plus près après, il y a la coiffure émeu aussi. Et une fois les poussins éclos, parce qu'on appelle ça des poussins chez les émeus. Comme les femelles, c'est des poules, et les mâles, c'est des coqs. Marrant. Hein, des très gros coqs. Hein. Vous avez vu le poulet, hein, quand il faut le faire griller au four, c'est énorme. Donc, il protège ses poussins de toute menace extérieure possible. Hein. Donc, finalement, on dit papa poule, on devrait dire plutôt papa émeu. Hein, parce que c'est lui qui a la palme des meilleurs papas, je pense. Hein. J'essaierai de vous montrer, mais ces œufs sont assez particuliers aux émeus. Hein. Ils font à peu près cette grosseur-là, voilà. Et ils sont verts, hein, très très beaux verts. J'essaierai de vous montrer ça. Bon, je pense que je vous ai tout dit pour l'émeu. De toute façon, je pense que je rajouterai des sons ou des images, ainsi que, pourquoi pas, des images de drone si j'en ai. Et aussi peut-être des moments où c'est le monsieur qui parle. Alors, contrairement justement à l'espèce que l'on a ici, qui est malheureusement une espèce menacée dans son milieu naturel. C'est le nom double, le Rhea americana. Et eux, ils ne vivent qu'exclusivement qu'en Amérique du Sud, hein, Chili, Argentine, jusqu'à la Patagonie. Et c'est une espèce menacée. Donc on est le tam-tam de la femelle émeu. Hein. Ah là, elle fait sa crâneuse, qu'est-ce que ça magnifique. Elle fait sa crâneuse. Elle est belle, hein. Elle se gonfle. Là. C'est marrant, ils ont un peu la forme du kiwi quand même, en plus, beaucoup plus gros. Hein. Lesquels? Ceux-là, je trouve. Ceux-là. Ah, ouais. Donc c'est le nandou, le Rhea americana. Pourquoi est-ce que cette espèce-là est menacée? Ben, la raison principale, c'est que malheureusement pour eux, ben, c'est très bon à manger. Donc à l'état sauvage, ils sont énormément chassés. Alors, ils vivent sur un continent différent, encore une fois, des mœurs totalement différentes. Les nandous ne vivent qu'en troupeau, comme ici. Hein. Il y a plusieurs mâles, plusieurs femelles mélangées. Un comportement qui est beaucoup plus sociable. Hein. Eux, ils ont choisi de vivre en communauté. Alors, ils sont pas tous là, mais il y en a qui se cachent, parce qu'ils sont en train de couver. Est-ce que c'est un albinos ou est-ce qu'il y a plusieurs couleurs? C'est pas un albinos. D'accord. On va en parler. Hein. Si c'était un albinos, il aurait les yeux rouges. Oui, c'est vrai. Là, devant nous, ce sont les petites femelles. Là, encore une fois, c'est les plus curieuses. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et là, derrière, vous avez les mâles. Vous voyez l'emballe du cou, toute noire. Hein. Les mâles sont plus gros que les petites femelles. Hein.
Alors les petites femelles, elles sont pas méchantes du tout. Hein. Ça fait pas mal là, quand elles pensent avec ce rappel. On va en parler. Là, vous avez un beau mâle qui est juste là. Hein. Vous voyez, il fait son crâneur aussi. Là. Ce hérisse le duvet sur les... Hein. On va essayer de piquer la gourmette. Mais les mâles, les mâles par contre, sont agressifs. Alors le seul point commun qu'ils ont avec les... Regardez, regardez. Il est en train de faire sa parade. Ah ouais. Voilà. Comment ça? Comment ça? Le seul point commun qu'ils ont avec les émeus chez le Nandou, c'est le mâle qui couvre les œufs aussi. Oui, 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 exactement. Mais ils sont tous comme ça. C'est tous des petits sarcos. Ça, c'est un tic nerveux, tous les Nandous ils l'ont. Mais justement, contrairement aux émeus qui n'ont plus d'ailes du tout, les Nandous c'est l'inverse. Ils ont conservé des ailes, alors je fais exprès de donner ce terme-là, des ailes immenses. Parce que lorsqu'ils les déploient entièrement, elles sont tellement grandes qu'elles touchent par terre. Alors ce sont des ailes évidemment qui ne leur servent pas pour voler, parce que ce sont des ratites, mais comme, ben, comme la plupart des oiseaux, ça leur sert à faire les parades amoureuses. Hein. Mmh. Hein. Et puis, c'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure le mâle. Oui, ouais, le problème, ils sont dans les nids. Hein. Ce que vous avez quand même ici, on est fiers de le présenter, le plus gros troupeau de Nandous de France. Hein. Parce que le problème qui se passe avec les Nandous, c'est que là-bas, dans leur milieu naturel, en Amérique du Sud, il n'y a aucun programme de protection de mis en route pour cette espèce-là. Ce qui fait que si ça continue comme ça, c'est une espèce qui tentera à disparaître en quelques décennies. Hein. Donc nous, on en fait beaucoup de reproductions et on les réintroduit dans un maximum de parcs animaliers en France, hein, de manière à ce qu'on puisse un jour, si c'est possible, on l'espère, on pourra le faire, les réintroduire dans leur milieu naturel pour que l'espèce ne disparaisse pas. Donc ici, on a ce rôle-là aussi. Alors c'est une espèce qui est protégée par la Convention de Washington, hein, pour ceux qui connaissent, hein, qui est annexe de guerre au niveau de la Convention de Washington. Alors pourquoi un spécimen blanc? Enfin, c'est une petite femelle. Alors il faut savoir que chez le Nandou, comme chez d'autres espèces, hein, il existe un gène blanc dans l'espèce depuis des millions d'années, qui tous les X milliers de naissances, le gène blanc refait surface et donne un spécimen blanc, aux yeux bleus. Hein. Donc c'est inutile de vous dire que c'est assez rare quand même. Elle pose sur la photo. Elle a eu un problème. C'est grâce à ça qu'elle est ici, sinon elle ne devrait plus exister. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous le savez, vous en doutez, que chez un particulier, la détention de ces animaux-là est strictement interdite. Donc ça, c'était une petite femelle Nandou qui était détenue. On est allé la chercher à Montpellier par des gens peu scrupuleux, d'ailleurs, qui l'avaient laissée dans le fond du jardin. Toute petite, elle s'est cassée la patte. Elle n'a pas été soignée, ce qui fait que l'os s'est refoudé de travers. C'est pour ça que nous, on a su ça, elle a été saisie par les fédéraux, on est allé la chercher. Et depuis, elle est heureuse, puisqu'elle est avec ses congénères. Donc, c'est exactement la même espèce que le gris. Hein. Alors, la petite femelle blanche, ça couple avec... Ah oui, la fierté. Comme un bar tabac, comme disait Coluche. Donc ils s'accouplent ensemble, mais ça donne que des gris. Le gène proéminent, c'est le gris. Là, elle va être contente parce que là, en fin de saison, on va avoir trois autres camarades de blancs qui vont arriver. Alors le jour où vous allez vous faire attaquer par un Nandou, alors ceci dit, c'est pas censé vous arriver trop souvent. Mais vous le saurez, vous en rappellerez. On a vu que chez les autruches et chez les émeus, ce sont les pattes qui sont très dangereuses. Et bien chez le Nandou, ce ne sont pas les pattes, c'est le bec. Parce que si on regarde de près le bec d'un Nandou, puis c'est beaucoup plus proéminent chez les mâles. La partie supérieure du bec se termine par un petit crochet. Ils ont une petite lame de rasoir, hein, carrément, au bout du bec. Ça veut dire que le mâle, quand il attaque, puisque ce sont toujours les mâles qui attaquent, hein, ben, si vous attrapez le bout du nez, ils vous l'arrachent, c'est clair. Ils ont un bec hyper puissant et très coupant. Donc il faut faire très attention au bec du Nandou. Alors en Amérique du Sud, les Nandous ne se reproduisent qu'au printemps. Eh bien chez nous, ils font pareil, ils se sont adaptés. Là, ils sont en pleine période de reproduction. Qu'est-ce qu'il y a là? Je sais ce que tu dis. Allez, vas-y, c'est bon, plaisir. Oh, ça fait pas mal. Si. Il y a des manières de le faire. Donc c'est plus petit qu'un émeu, puisqu'un Nandou, ça pèse une trentaine de kilos. Hein. Mais ça court à la même vitesse, hein, 55 km/h. Ce sont des oiseaux coureurs. Il faut savoir aussi que les oiseaux ratites, il y en a beaucoup de cachés, mais ils sont dans les nids. Parce que, je vous l'ai dit, ce sont les mâles qui couvrent aussi. Hein. Donc là, ils commencent à couver. Mais ce soir, je vais aller vous déloger, les gars. Mais t'as fini, toi? C'est curieux. Alors, ce sont aussi des animaux qui, sur notre territoire, ne contractent très rarement, voire jamais de maladie. Hein.
Le seul soin arrêté. Donc jamais de médicaments, jamais d'antibiotiques, hein, pas de tout ça. Économique. Oui. Pas de sécurité. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. Une fois adulte, c'est très robuste. Hein. Le seul soin vétérinaire qu'on leur apporte, puisqu'ils sont herbivores, hein, on les vermifuge régulièrement. Ils sont pucés ? Bien sûr. Oui. Chaque animal est muni d'un transpondeur. C'est une obligation chez le Nandou. Et avec la grippe aviaire, là, vous avez eu des obligations ? Non, ou pour non l'instant, non. Rien du tout. Lorsqu'on voit les petits trous derrière leurs yeux, là, sur le côté, sont leurs ouïes, hein, les oreilles. Hein. Donc ça, c'est le Nandou, le Rhea americana. Il faut aussi savoir une dernière chose. Aucun vétérinaire n'est habilité à intervenir sur ces animaux-là. Enfin, je parle des vétérinaires qui soignent votre chat ou votre chien. Hein. Il n'y a que nous qui sommes habilités à intervenir sur ces animaux-là. Hein, on a eu les formations spécifiques pour ça, et ainsi que les vétérinaires de parcs animaliers. Donc on est régulièrement sollicité par les fédéraux pour aller saisir, hein, des animaux chez des gens qui les détiennent illégalement. Bon, je ne sais pas si vous entendez le clou 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 clou. Le tout, tout. Ça, c'est les émeus. Mais là, nous ne sommes pas vers les émeus. Là, nous sommes en Amérique du Sud, avec les nandous. Donc les nandous font partie de la famille des ratites, comme les autruches, comme les émeus. C'est le plus petit des trois. C'est pas le plus petit de la famille des ratites, mais c'est le plus petit des trois. Avec une taille de 1m50 et de 30 kg environ, c'est un petit ratite. Néanmoins, il est quand même très dangereux. Il faut pas s'y fier. Il est beaucoup plus social, bah d'ailleurs elle est partie, hein. Je ne lui plais plus. Hein. Il est beaucoup plus social, il vit plutôt en groupe. Là, il y en a un qui est arrivé. Alors comme vous pouvez voir, la femelle est grise, le mâle est gris. Néanmoins, le mâle, comme vous pouvez le voir, il est juste là, il a le cou noir. En cas de menace, il vient me faire la cour lui. En cas de menace, il peut aller jusqu'à 60 km/h, ce qui est déjà très rapide. Hein. C'est loin des 100 km/h de l'autruche, mais quand même. Hein. À côté de ça, Usain Bolt, il peut se rhabiller lui aussi. Et il a une particularité quand ils sont menacés. Elle est attirée par la caméra, là, par la webcam. Il a une particularité, c'est que quand ils se sont menacés, en plus d'aller à 60 km/h, il va courir en zigzag. Alors après, en captivité, il a une tendance à vivre à peu près une trentaine d'années, beaucoup moins dans l'état naturel, mais en captivité, à peu près une trentaine d'années, beaucoup moins que les autruches. Alors juste avant, je vous parlais, je ne sais pas si c'était juste avant ou juste après. Donc je vous ai parlé un petit peu des autruches, des nandous, des émeus, enfin de toutes ces espèces qui sont plus ou moins petites. Donc il y a 5 espèces de ratites, aujourd'hui vivantes, parce qu'il y en a une qui est morte, qui est disparue dans les années 1700. Vous entendez les poum poum poum, ça c'est les émeus, qui ont disparu dans les années 1700, c'était les dodos. Les dodos ont hélas disparu, hein, ont été mangés par les humains, hein, les pauvres. Donc il nous reste plus que 5 espèces de ratites. Donc la plus petite, on va aller de la plus petite à la plus grande. Hein. La plus petite c'est le kiwi. Après je pense que c'est le nandou. Après il y a l'émeu qui est juste là, le casoaire. Je ne sais pas si vous voyez, c'est celui qui a une grande, comme une corne là, très rouge, très joli, rouge bleu. Il est magnifique. Et en dernier donc l'autruche, les 5 espèces de ratites qui restent. Et voilà. Donc dans ce parc il n'y en a que 3, parce qu'il faut savoir que le kiwi et le casoaire sont très protégés. Ils sont ils essayent de les réintroduire, en fait, de les préserver, parce qu'ils sont plutôt en voie d'extinction, on va dire. Quoi qu'ils commencent à remonter, hein. Mais bon, ils sont en voie d'extinction, donc du coup, impossible de les avoir. Donc, en France, on ne peut avoir que les 3 espèces les plus connues. Hein. Il me fait de l'œil, lui. Hein. Donc, l'autruche, l'émeu, le nandou. Voilà, c'est les 3 seules qu'on peut avoir. Et là, elle fait que de me faire de l'œil. Elle veut vraiment me voir. C'est assez marrant. Hein, je pense que je retournerai la voir. Elle est très curieuse. Elle est très belle en plus. Hein. Il y a les blanches et les grises. Bon, je ne sais pas si vous entendez le clou, 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 clou. Le tout, tout. Ça, c'est les émeus.